passer aux espoirs. 18-21, c'est les espoirs. On va dire et 120, 130. Ce modo, on ne pas, ça ne servira à rien de faire beaucoup plus. Et il y a les mêmes instruments derrière. Donc tu vas te mettre derrière toi. Tu sais comment mettre le parachute ? Ils nous ont dit, donc je me rappelle à peu près. Je vais voir si tu t'en rappelles alors. Alors. Bah voilà. Alors comme le sac à dos, tu Tu sortiras le. Vas-y. Le câble, tu vas écarter le câble. Mais tu pars sur le nord normalement, hein. T'as du vent du sud. Ouais. Et il part sur le nord, hein. T'as du vent du sud là. Hein. Tu sors le câble s'il te plaît, excuse-moi. C'est celui-là qu'il faut sortir. Oulala. Alors là. Est-ce que vous pouvez faire une manip, on va décaler le planeur. J'ai peur qu'on. Les câbles vont croiser, on va laisser. C'est ça, non ? Ouais. Ah, ça va être le Cessna des parachutistes. Arrondi. Et on pose. Vas-y. Oh, il allait trop vite. Putain, la vache, ça me galère vite. Ouais, c'était quoi? Et là, il va le lâcher bientôt. Ah non, pas encore. Ah non. Attends-moi! Il est en retard! Minou? Non, c'est sur celui-là, c'est les AF. Ça. Il y a les AF et le frein, il est sur les AF. Ça contient les AF, ça Il est descendu en piqué, puis on est passé de 80 km/h à 150. Puis après il est remonté. Et ça a fait bizarre. Ouais, oui. Sinon les paysages c'est magnifique. C'est super hein, avec la dune, t'as vu la dune, le bassin, tout. En remorquage, ça accélère vachement. En treillage, ouais. En treillage, c'est bien. Ah, t'as plu ? C'est trop bien. Ok. Le deuxième, il est pas. Donc, si jamais tu dois partir, en l'air, c'est moi qui te le dis s'il y a un problème. Là, on utilise ça pour ouvrir ou fermer la derrière. Il faudra totalement la larguer. Tu seras celle-là et celle-là. Tu es dans le même temps. Il va décoller tout doucement et puis tout d'un coup, hop, il monte comme ça. Et ben, quand il est comme ça, toi tu regardes sur les coups. Attention, ne touchez pas le câble. Mais c'est pas le câble. Ah, pardon.
un gros gros oiseau comme la vedette. Valérie, non, mais lui, oui. Tourne-toi, Mathis. Ouais. Oui, mais lui, quand il regarde sa piste, il voit le défilement ensemble. Bon. T'as pas vu les planeurs, comment ils arrivent? Ils arrivent aussi, le nez. Mais moi, je les ai pas mis. Allez, viens, Mathis, viens ici. Oui, on va vous laisser. Touche pas ça. Non, non, mais il faut les faire. Les mains là, tu peux toucher ça. À la visée. Allez, voilà. Et tu passes les. Voilà, là, tu peux. Ah oui, mais après, il faut passer les jambes. Hein. La première, non, c'est celle-là qu'il faut passer d'abord. Mais...
pas pour le moment. Ça va? Attends, tu bouges avec tout ça? C'est mieux? C'est moins bien? Tu crois qu'il y a de l'air? Tu vois ça? Non, normalement c'est étanche là. Il y a des petites ventilations sur le côté, t'as vu? Sinon tu le restes juste au même. Oui, mais attends, d'abord la vitesse, tu vas pas du tout avoir le. Tu vas voir Mathis au décollage. Tu sauras pas du tout si ça va vite ou pas. Oh, ils vont sortir. Mais tu ne sais pas. Là, les moins vite, est-ce que tu crois que ça a amélioré la sécurité? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas une voiture. Hein? Pour que ça tienne dans l'air, il faut qu'il y ait, de la vitesse. S'il n'y a pas de vitesse, donc la vitesse, c'est la sécurité. Bon, c'est bon, Mathis, tu arrives? Bon, ça va décoller. Mathis, ça me va, ça? Ça va décoller en 10 mètres. Quelques secondes. Et puis après, tu te rendras absolument pas compte de la vitesse. On voit la vitesse. Ouais. On se rend compte de la vitesse quand on est près de quelque chose. La vitesse par rapport à quelque chose. Hein? Mais quand tu es en l'air, par rapport au sol, tu ne vas pas du tout te rendre compte à quelle vitesse on vole. Il faut vraiment regarder sur les instruments pour savoir à quelle vitesse on vole. Allez. C'est l'heure de manger. Je pense qu'il va pas tarder, ouais. Ouais, c'est bon.
t'as pas compris. La voiture, toi et la voiture, t'appuies sur le chapeau. Thank you.